Bonsoir à tous et bienvenue au Triton pour ce nouveau pont des artistes. Et nous allons démarrer tout en douceur ce soir avec Gérald Toto. Bonsoir. Je vais faire une chanson et j'espère que vous allez chanter le refrain avec moi. Vous allez voir, on va le faire. Ça, voilà, cette chanson, c'est « My Girlfriend ». Donc, je vous invite à chanter pour « Your Girlfriend ». my girlfriend. My girlfriend. C'est le refrain en fait ça. My girlfriend. Ooh, ooh, pick a way, boom, hey, ooh, boom. My, when we were in the eye, if you are in the my, where is I, where you will boop, did you be up? And by the up, boop, do pick you, I'm a, oh, no, pick you, my girlfriend. Yeah, oh, pick you, I'm a, oh, do pick you, my girlfriend. Gérald Toto. Pour commencer cette émission avec deux chansons extraites d'un album qui est sorti il y a déjà un petit moment, qui s'appelle Sway. Bonsoir Gérald. Bonsoir Isabelle. Sway, rien que le mot est beau. Merci. Rien que le mot évoque la douceur, une certaine légèreté, comme sur la pochette de cet album. C'est marrant, j'ai pensé tout de suite à un dessin de Folon. Vous vous souvenez de Folon? Mais carrément. Voilà. Ça m'a fait penser à un dessin de Jean-Michel Folon. En tout cas, il y a la légèreté, il y a la douceur. Sway, ça veut dire soyeux, c'est ça? En anglais? Sway, ça évoque l'ondulation. Oui, c'est ça. Ça voilà. Ondule, oui. Voilà. C'est l'influence, c'est l'ondulation. Ça balance et ça ondule. Voilà. Parce que ça balance, hein. Il y a quand même beaucoup de groove. Merci. Donc ça balance pas mal avec la guitare comme ça. Donc pour toute, comme pour toute expression de chanson, ça passe par le corps forcément. Mm-hmm. Il faut comment quand on fait quelque chose comme ça, il faut retenir un peu son énergie parce que sinon ça se termine en rock'n'roll endiablé. Non, comment vous faites? Vous tenez un peu les rênes? Ah, quelquefois. Oui. Et quelquefois je lâche. Ouais. Mais en fait, en faisant cet album, je l'ai fait pour moi. J'ai voulu me faire du bien, en fait. Oui. Et j'ai voulu me déposer quelque chose, mais dans un environnement soyeux, justement, pour oui. le coup. Ouais. Donc, il fallait que ce soit bienveillant, accueillant. Voilà, que ça me fasse du bien, en fait. Donc, ça fait du bien à tout le monde aussi, c'est ça, quand même. Tant mieux. Parce que vous avez bien fait de ne pas le garder que pour vous, parce que on aurait été frustrés. Nous, on est quand même contents d'écouter tout ça. La guitare, la voix, uniquement avec la guitare. Les chansons, il y a du scat, il y a beaucoup de choses hein, dans votre album. Il y a du scat, il y a du beatboxing, il y a plein d'impressions, des sentiments, rien qu'avec la voix. Les mots sont aussi des sons, parce que c'est une langue inventée, ce que vous chantez. Enfin, il y a un peu d'anglais, mais... Il y a aussi beaucoup d'un langage inventé, une langue imaginaire, ouais. Mais du coup, qui fait des sons aussi, cette langue, elle produit des sons. C'est en fait le bonheur que j'avais déjà expérimenté cette langue, en fait, sur des albums précédemment, mais juste d'une manière sporadique, et puis surtout avec un projet que j'ai partagé avec eux, Richard Bona et Toto Bona Lokua. Vous avez fait 2 albums avec eux. Exactement. Et en fait, ce que j'aime bien sur ce chemin-là, c'est de retrouver la langue que nous avons tous, en fait, quand nous commençons la vie. C'est-à-dire qu'on est quand même dans l'urgence d'exprimer des sentiments, mais on n'a pas les mots au départ. Donc ce sont les sons qui indiquent à l'autre où nous sommes, en fait, du point de vue de notre affect du cœur. Oui. Et c'est pour ça que c'est vraiment la langue du cœur. Et en fait, je vais vers ça. C'est-à-dire que je chante et j'exprime tout de suite sans filtre. Oui. Ce que je ressens, en fait. Mais est-ce qu'il y a de l'improvisation ou est-ce que vous faites toujours les mêmes sons? Alors, ce qui est marrant, c'est que je chante jamais exactement la même chose. Oui. Et en même temps, au bout d'un moment, il y a un ancrage du son qui est exactement à l'endroit où je sens être du point de vue de mon émotion. Ouais, donc au bout d'un moment ça se fixe, ouais. Mais c'est assez passionnant parce que au fur et à mesure c'est comme si la sculpture prenait forme et trouvait forme, quoi. Il y a une mémoire quand même. Ouais, mais c'est une mémoire de confort d'une certaine manière, de bien-être. Ouais. Bon, vous faites du beatboxing. Ouais. Ça j'aime bien moi quand vous faites ça. Mmh. Du scat aussi, ça vous en ferait aussi un petit peu ce soir. Mmh. Si vous deviez produire des artistes aujourd'hui par exemple, qu'est-ce qui vous intéresserait dans la musique, dans ce qui se passe aujourd'hui en France? Quel style de musique ou quel type d'artiste, quel genre d'artiste? Alors déjà, moi... Personne, il produirait personne. non, le truc c'est que je ne suis pas style de musique. Ouais, déjà, mon parcours... Mais qu'est-ce qui vous touche quand même? Ce sont les gens. Ouais. J'ai vu que Pomme allait bientôt venir exact, chez vous. Au mois de mars. Et je l'ai rencontrée il y a 2 jours. Et voilà une artiste que, par exemple, je trouve déjà extrêmement passionnante. Voilà. Moi, je ne la connais pas encore. Je vais la découvrir. Elle va être là le 21 mars. Mmh. On va fêter le printemps ensemble. C'est avec un plateau exclusivement féminin. Il y aura Diterzi également. Diterzi. Hein. Et puis Clarika et Pomme, donc, qui viendra guitare-voix. Mmh. Tout le monde m'en parle comme étant vraiment une révélation extraordinaire. Une fille formidable. Donc je vais la découvrir en même temps que vous. Je vous téléphone après pour vous dire ce que j'en pense. Okay. Mais on me dit qu'elle a vraiment une présence formidable, beaucoup de personnalité et beaucoup de talent quand elle est en guitare-voix, justement. En tout cas, moi, les artistes qui me passionnent, que j'aime bien, c'est quand ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur temporalité, qu'ils sont en conscience sur leur chemin, et que c'est ça qui importe en premier. C'est-à-dire que moi, je sais que je fais la musique pour m'épanouir et pour être, pas pour être connu, quoi, par exemple. Enfin, c'est tant mieux si après je circule, mais je veux dire, mon moteur, c'est d'abord être. Et il y a des artistes comme ça qui ont d'abord cette urgence, et c'est beau à voir, c'est émouvant parce que c'est l'expression du vivant, quoi. Et pour moi, c'est ça, enfin, ce qui me touche. C'est ce que voilà, ça serait votre définition. Quel que soit le vocable et le chemin qu'on prend, c'est d'abord vibrer, quoi. C'est quand même votre 4e album, hein. Ouais. Je suis trop content. Vous aimez ça quand même, hein, faire des disques et tout ça. Mais j'adore ça. Ouais. Vous avez déjà le 5e en tête? Ouais, nécessairement, je suis en chemin, quoi, parce que y a rien de plus pas naturel que de faire des albums, et en même temps, ce sont des marqueurs, on va dire, donc sitôt fait, sitôt derrière, donc et voilà. Vous êtes produit par le label No Format, ouais, qui a produit des tas d'artistes formidables, dont effectivement le trio Toto Bona Lokua. Je me souviens plus de l'ordre. C'est Toto Bona Lokua. Ouais. Il y a eu 2 albums aussi beaux l'un que l'autre sur ce label. Mm. Et puis Mélissa Laveaux, dont ouais, j'adore l'album et qui est une artiste exceptionnelle. Donc voilà ce beau label No Format, ouais, dont vous fêterez l'anniversaire à Kinshasa. D'ailleurs, j'ai vu ça exact, au mois de juin, c'est ça? Vous allez partir là-bas, voilà, ouais. Les 15 ans du label No Format. Voilà. Gérald Toto, Sway. Bon, il y a des artistes qui sont produits par des labels indépendants. Il y en a beaucoup. Il y a même pratiquement que ça aujourd'hui. C'est super. Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Et puis, après tout, c'est pas si mal. Ah, puisque les disques sortent, hein. Il paraît que ça n'existe plus, le disque. Si, il y en a toujours. Regardez. J'en ai un sous les yeux, là. Regardez celui-là. Il est jaune. Ils n'ont pas fait exprès. The Soleil. Magnifique. C'est lui, Le Soleil. C'est Fred Poulet, que je suis ravi de retrouver, parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Fred Poulet avec son nouvel album et des chansons, s'il vous plaît. Accompagné par Maxime Delpierre, The Soleil, Fred Poulet. Les petits gars, on va faire une autre chanson, c'est ça qu'on va vous faire. Souvent je suis pas filmé mais je souris quand même. Et toi? J'ai toujours préféré un jour blanc à une nuit noire. Et toi? Finalement, je suis peut-être un porno-ricain. Et toi? Ultra compétitif dans une discipline inconnue. Et toi? Sans la discipline, les stupéfiants ne sont rien. Et toi ? L'idéal serait d'avoir quelque chose à optimiser. Mais quoi ? 2000 ans pour inventer la machine à roulettes, putain. Compte tenu du contenu, j'y tiens pas. Et toi ? Moi, je descends à Charles de Gaulle. Étoile, 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 étoile. Quitte-toi, toi là-bas, ça te fait ou pas. Il me passe un chinois, born américain. Quitte-toi, c'est comme moi, macho féminin. Mais des races, la bourgeois, psychérotica. Je me sens condamné à exister à mort. Et toi? Bah, ça doit être que finalement je suis un pornoricain. Et toi? Moi je descends du bonobo. Et toi? Moi j'habite le 3e millénaire. Et toi? Qui t'es toi? Toi là-bas, ça te fait ou pas? Fais des races chinois. Maxime Delpierre, guitare, Fred Poulet, machine et voix. Et tout de suite avec nous à la table du pont des artistes. Et bonsoir mon cher Fred Poulet. Merci pour ces deux premières chansons. On va en écouter d'autres tout à l'heure. Ravi de vous retrouver. 12-13 ans sans faire un album de musique, c'est quand même... ça fait long, hein? C'est ce que je me suis dit aussi. Voilà, c'est ça. Donc il y a un moment donné où l'appel de la musique vous a... Comment dirais-je? Appelé, bah ouais, oui, très fort. Imposé, c'est imposé. Imposé carrément. C'était une urgence même. Ben oui, presque. Parce que j'ai jamais décidé d'arrêter. Oui, vous avez été happé par autre chose et notamment par la réalisation d'émissions de télévision et aussi de films, de cinéma. Voilà, c'est ça. Et ça s'est passé un petit peu par inadvertance, avec beaucoup de bonheur. Ouais. C'était exaltant, suffisamment pour que je me rende pas compte que je faisais plus de musique. Ah oui. Et plus de chansons jusqu'à qu'au bout d'un moment, ça me paraisse une anomalie et qu'un désir très fort de refaire des chansons s'installe. Très fort et très simple. Très fort, très simple. Et vous avez composé, écrit cet album d'une manière rapide et simple aussi ? Ouais. Parce que c'est très épuré, y compris au niveau des musiques et enfin les textes et les musiques, quoi. Les phrases sont lancées. Oui, parce que c'était justement, c'était guidé par le désir uniquement. Et j'ai eu envie de faire mon premier groupe. J'ai eu envie de faire quelque chose totalement sans enjeu. Et de faire ce que j'avais envie d'entendre. C'est un peu comme ce que disait Gérald tout à l'heure, quoi. Hein. Carrément. Ouais. Un peu de ça. Hein. Ouais. C'est la liberté, ça s'appelle. Oui, okay, ouais, c'est ça. Et alors, tu peux demander à Max qui est là, parce que alors quand ce désir est apparu, alors j'ai exprimé autour de moi, parce qu'aujourd'hui, je sais exprimer un désir. C'est pas rien, tu vois. Et même sans le formuler des fois. Mais en tout cas, voilà, tu projettes un désir clair. Oui. Et c'est Maxime qui l'a reçu. Oui. Et il me dit, d'accord, viens, on fait des petites chansons de rock. C'est vrai, Max, ou pas? Bon. Et... alors, il se mettait au truc. Et je savais que j'avais un temps limité pour organiser, écrire, tu vois, et organiser le petit matériel que j'avais déjà un peu. Tu vois, se mettre dans une urgence qui le fait développer, pouf. Et je me tirais un peu la bourre pour pouvoir chanter quand il avait fini. Ah oui, d'accord. Et ça aussi, c'est presque une question de désir. Tu vois, t'es avec l'autre, parce que j'aime bien Max. Et on a envie de s'épater. C'est vrai, on a envie de s'épater aussi quand on fait des trucs comme ça. Tu vois, on est à deux dans son salon. Ouais, c'est humain, quoi. Et voilà, alors tu essayes d'avoir un truc épatant pour quand il a fini, pouf, après tu le chantes. Ah, ouais. Ça se fait comme ça beaucoup. Ah, d'accord. Et donc vous avez fait cet album à deux, tous les deux. Ah oui, oui. Complètement. Et puis c'est Rodolphe Burger qui l'a produit sur son label Dernière Bande. C'est pas la première fois qu'il produit vos albums. Enfin, vous travaillez, vous le connaissez depuis longtemps et vous avez déjà travaillé avec lui. Il vous a déjà produit un album, au moins un. Pour ce que c'est une émission où on peut parler là ou... Bah, évidemment, oui. Bon, alors parce que à chaque fois, ça fait lieu à des digressions. Tu vois, et en l'occurrence, Rodolphe Burger, c'est 97. Parce que comme j'avais, tu m'avais invité à l'époque, oui. J'ai fait le disque avec Induraine, qui était pas mal passé à la radio. Enfin, tout d'un coup, j'étais sorti de l'anonymat, oui, on va dire. Oui, 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 c'est ça. Et donc, je pouvais travailler avec un producteur. Oui. Et on m'a donné le choix. Génial. Et j'adorais Catonoma, tu vois le son. Et ouais. Je me disais, avec mes petits trucs, mes petits fils de fer rouillés, si on le met dans son écrin de velours, ça peut faire un truc sympa. Et donc j'avais demandé lui, tu vois, mais on ne se connaissait pas plus que ça, alors qu'on est alsacien, on ne s'était jamais rencontrés. Ouais. Et donc voilà, on fait cet album ensemble, et c'est vrai que moi je m'attendais à un producteur qui va tirer un peu toutes les ficelles, avoir des idées de... Et en fait, il passait son temps à me dire, mais non, mais c'est super. Et après, on discutait de plein de trucs, de la vie, géniaux. Ben oui. Il a dû faire 2 guitares sur l'album. Ouais. Et résultat, aujourd'hui, on est en train d'en parler tous les deux, on est en 2018. Et Rodolphe a participé à cette émission, bien sûr, l'an dernier. Tu vois, 2019, il a produit ce disque. C'est bien. C'est un peu la vie, quoi. C'est la vie, mais la vie, c'est qu'on s'est rencontrés aussi, nous, et puis qu'on se retrouve maintenant. Bah oui. Quelques années plus tard, avec Gérald, c'est pareil. Fred Poulet, les phrases que vous chantez, ou que vous parlez d'ailleurs, plus que chanter. Oh bah merci. Non, mais c'est vrai. Vous jetez des phrases comme ça, des punchlines comme ça, c'est vrai, vous oui, jetez non, des... mais c'est vrai. Vous êtes plus dans le parler que dans le chanter, oui, mais vous savez chanter aussi. J'évoque la possibilité d'une mélodie. C'est ça. C'est ça. Mais elles viennent d'où dans votre esprit, ces phrases? Elles sont inspirées par quoi? Par votre époque? Par ce que vous voyez? Par ce que vous vivez? Par ce que vous aimez? Par ce que vous n'aimez pas? Bah, exactement tout ça. Et ben voilà. Non, mais c'est facile de faire une chanson, allez-y. Hein. Non, non, on s'y met tous. Hein. C'est exactement tout ça. Et il y a une phase qui est décisive et qui, pour moi, est d'ordre phonétique, presque. Oui, oui, tu vois, c'est-à-dire que. On revient à ce qu'on disait avec Gérald. Parce qu'il y a ce qui te travaille à titre personnel, il y a ce que tu observes de la société. Et puis, à un moment, il y a 2 mots qui résonnent. Oui. Et tu ne sais pas pourquoi, mais tu les notes. Oui. Et. Après, ils vont rentrer dans une chanson. À ce moment-là, tu sais pourquoi peut-être, mais des fois non. Et je sais pas si je sais pas si ça t'est arrivé, mais j'ai fait des chansons que j'ai compris quelques années après. Ah, carrément. Bien sûr. Non, mais carrément, bien sûr. Et d'ailleurs. Et c'est presque celle que j'aime le plus. Je me dis que quelque part, là, j'ai été bon. Mais déjà, tu sais que justement, par rapport à ça, on me dit, alors, mais cette chanson, elle a voulu dire quoi, etc. Mais franchement, je ne sais pas, moi, quand je compose, pourquoi. C'est après, en fait, c'est une manière de me mettre sur un petit divan, et puis à ce moment-là, j'essaie de me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Tu te mets dans un état, en tout cas, et des fois, tu fais des trucs qui te dépassent. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Et quelquefois, même, je suis pas prêt pour la chanter. C'est-à-dire qu'il y a des chansons que je finis par bien chanter des années plus tard, quoi. Fred, pareil pour vous? Non, non, moi, je suis tout le temps prêt à les chanter parce que j'ai beaucoup de technique. Puis vous avez envie de retourner sur scène, là, j'ai l'impression. Parce que ouais, je suis bien là. Il y a un début de tournée qui est assez sympathique, là, déjà. Donc là, c'est aussi l'envie de remonter sur scène. Parce que quand on fait de la réalisation, on est derrière la caméra, on n'est pas devant, on n'est pas avec le public. Ça vous manquait, ça aussi, de retrouver un petit peu le public? Oui, parce que c'est irremplaçable. C'est-à-dire que c'est en temps réel une appréciation partagée de ta proposition. Mmh, bien sûr. Et ça... C'est que dans la musique que ça existe d'une certaine manière, parce que même dans le théâtre où il y a cet échange qui est en temps réel, quelque chose qui est produit et une réaction, il y a quand même un devoir de silence, il y a un devoir de respect du texte, de respect de l'acteur, etc. Dans la musique, on peut foutre le bordel, on s'en fout. Enfin, tout d'un coup, c'est à ce moment-là que ça existe. Et en fait, si tu fais un disque, finalement, c'est c'est pour qu'il y ait des moments de concrétisation de ce répertoire où ça existe. Et puis c'est là, bah, par exemple là. The Soleil. Ben oui. C'est le vôtre. Hein, vous l'avez vu beaucoup en faisant cet album-là, The Soleil. Le titre vous vient d'où dans votre tête? Alors, je crois que le point de départ, c'est, tu sais, cette espèce de contradiction un petit peu débile mais récurrente qu'il y a entre la chanson française, c'est-à-dire s'exprimer en français dans la chanson. Oui. Moi et énormément de gens qui pratiquent la chanson française ont été fascinés, influencés, captivés par la chanson anglaise. Bien sûr. Et qu'est-ce que je veux dire, je suis très content de faire des chansons et puis d'exister comme j'existe dans cette histoire de chansons françaises. Mais moi, ce que je voulais faire, c'est Iggy Pop au départ. Bien sûr. Et je crois qu'on est tous un peu comme ça. Et donc, il y a cette référence, et tu vois, c'est absolu. Et donc, j'ai mis The Soleil parce que tout le monde connaît le mot anglais soleil, sun. Et si on met The devant, ça va pas, quoi. Et de la même manière, ça va pas dans cette histoire de pop et de chansons françaises et de rock entre l'anglais et le français. Il y a plein de tentatives qui ont été faites de mélanger un peu les deux. Rodolphe fait ça parfois, justement. Mais en tout cas, c'est quelque chose de non résolu, de quelque chose qui traîne là, qui est comme une tension et qui n'est pas forcément mauvaise. Ça oblige tout le monde à réfléchir et puis et finalement, ça crée quelque chose d'original qui est... Tout à fait. Tu sais, ça me fait toujours penser à John Lennon, qui c'était dans une interview, je crois, à Rock et Folk. On lui demandait ce qu'il pensait du rock français, parce que je crois que c'était un peu le sommet de Téléphone et tout. Le journaliste s'est permis cette audace et il lui a répondu, ben, je crois que ça doit être à peu près comme le vin anglais. Donc voilà, The Soleil. Ouais. Parade et Tout scintille. Ce sont deux chansons que vous allez interpréter maintenant, si vous voulez bien, Fred. Ah, chic. Allez, avec Maxime Delpierre, qu'on applaudit aussi. Je suis navré, Isabelle, hein, si c'est pas monté, il va y avoir un petit blanc. Parce que je suis farouchement vaincu du 21e siècle. Mon orchestre est sur l'iPhone. Regarde, comme tout scintillant, mes seins et ma taille. Elle dit, regarde, je t'ai tressé une couronne de l'oreiller. Elle dit, regarde, comme tout scintillant, c'est là. C'est la vie, c'est là, mon chéri, c'est la vie, c'est là. Regarde, regarde entre mes lèvres, ces perles et ces rubis. Et regarde. Comme tout scintille, oui tout scintille, comme tout scintille, oui tout scintille, c'est là, mon chéri, c'est là, mon chéri, c'est là. Elle dit, regarde, regarde dans mes yeux fondre les étoiles. Elle dit, regarde, regarde la nuit pousser son vibrato. Elle dit, regarde, comme tout scintille, c'est là. Mon chéri, c'est la vie, c'est là, mon chéri, c'est la vie, c'est Poulet avec Maxime Delpierre. Excellent Maxime Delpierre. Les sons de guitare de Maxime Delpierre sont quand même assez épatants. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérald? Ça déchire. Ça déchire. Hein. Et ça fait du bien, un petit peu de rock. Hein. Ah ouais, carrément. Ça rajeunit. Hein. Ouais. J'ai commencé par ça. Si, c'est vrai. Ah oui, vous avez commencé comme ça. Ouais. Carrément. Ah oui. Qu'est-ce que vous jouiez comme genre de rock? À quelle époque? J'avais 14 ans. En fait, c'est à cette époque-là, j'écoutais du rock symphonique. Plus Boston, quoi. Enfin, ces ambiances-là, un peu bien velues. J'aimais ça. Van Halen du début. Mais parce que j'aimais aussi avant Jethro Tull. Ah oui. Ces ambiances-là, quoi. Ah donc oui. Voilà. Bon, bref. Jethro Tull, il paraît qu'il a des problèmes de ménisque là. Ah. Yeah. Là. J'ai mis du temps à la comprendre, hein, tu m'excuseras. Mais... Bon, et vous, le rock que vous avez aimé, c'est celui... Est-ce que c'est celui que vous faites aujourd'hui, Fred? Ouais, complètement. Fred, vraiment ouais. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Ouais. Parce que bah, c'est marrant d'ailleurs que Gérald parle de ce rock symphonique de Boston. C'est vrai que moi, je me suis éveillé à la musique. C'était Genesis, c'était ouais. Yes, c'était quelque chose qui m'a vraiment fait planer. C'est les années 80, inaccessible. Quand même. Non, c'est avant. Un peu avant. Non, attends, je suis vieux. Hein. Il faut bien se mettre ça dans le crâne. Bah oui, bah, t'es pas tout seul. Hein, et tout d'un coup, j'arrive au moment où j'ai une gratte et tout, ouais. Et il y a les punks qui arrivent. Oui, c'est ça. Et t'as le droit, en étant complètement nul, non seulement d'y aller, mais en plus de revendiquer ça. Et ça me convenait, mais à mort. Gérald, pareil. Ouais, mais, alors le truc c'est que ouais, et d'ailleurs Lou Reed était un peu aussi dans cette ambiance-là. Bah avec le Velvet, ils ont été les inventeurs de ça, ouais, voilà. 10 ans avant. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on appelle le génie. Ouais, mais j'aime bien, ouais, ce côté on lâche. Mais alors, c'était compliqué parce que en même temps, moi j'aimais bien aussi les musiques chatoyantes, soul et tout. Où là, il s'agissait de fignoler l'histoire. Donc ça m'a mis aussi dans une exigence avec moi-même qui était quelquefois disproportionnée, mais avec les rêves aussi qui étaient disproportionnés aussi. Bah, c'est ça en fait, c'est une question de rêve parce ouais. que moi j'avais pas, si tu veux, le potentiel ni technique ni instrumental. Mmh. D'ailleurs, comme c'est une émission en part, je te raconterai une petite anecdote avec Rodolphe et la guitare qui est pas. Mais je pouvais pas prétendre à jouer cette musique ou à participer à ce jeu-là. Donc il y a eu ce côté radical qui a été important. Et justement, j'ai une petite anecdote avec Rodolphe, puisqu'on parle de lui ce soir, oui. C'est que je me suis longtemps accompagné. Tu vois, on jouait avec Alice Beauté, je souviens, à Arnaud Diterzi, on était trois, et je faisais la guitare. Yes. Et je sentais quand même, tu vois, que j'étais pas assez doué, ce qui fait que quand je jouais de la gratte, je perdais un peu les gens au chant, yes. Et quand je chantais, je perdais un peu la gratte. Et bon. En tout cas, c'était pas vraiment, tu vois. Et un jour, comme on a souvent collaboré sur des concerts et tout ça, on devait faire un concert où on chantait deux de mes chansons avec Rodolphe. Donc, il nous rejoint au local, et sans la gratte, puisque j'avais mon matériel, etc. Et donc, je lui donne la guitare avec laquelle j'avais fait toute la première partie de la répétition, avec mon ampli, et je vais au micro-chant. Et le morceau commence... Et là, je me retourne parce que j'ai l'impression qu'on a complètement changé le matériel. Tu vois, et en fait, je vois random, mais il a juste ma guitare et mon ampli. Et là, je me dis, bon, ouais. C'est plus simple. C'est pas que c'est plus simple, mais les gens, tu vois, il faut qu'ils soient contents. Quoi. Ouais, bah oui. Et donc, on va laisser se faire ça à des gens comme Maxime, ouais. Qui font qu'à la fin, les gens sont contents. Bah oui, tu m'étonnes. Ça ne m'étonne pas. Bon, très heureux d'avoir donc fait cet album de rock comme ça, après 13 ans d'arrêt de faire de la musique, quoi. Hein. C'est le bonheur ouais. Total. Mm. Et sur scène, ce sera vendredi prochain, le 1er mars, au Walrus à Paris, le 12 mars à Mulhouse, le 31 mars au Café de Paris, le 19 avril au Métallo, le 16 mai au Puce de Saint-Ouen. Ensuite, alors là, j'ai plus toutes les dates, mais je sais qu'ensuite, au mois de novembre, vous serez à Brest au Festival Invisible. Oui. Voilà. Et puis sûrement d'autres dates qui vont tomber entre-temps. Mais bien sûr. Faut que ça se fasse, tout ça. Ça va pleuvoir, mais bien sûr. Faut que ça reparte. Est-ce qu'il y a d'autres chansons déjà plus ou moins en gestation pour un nouvel album encore? Parce que vous n'allez pas vous arrêter pendant 12 ans maintenant. Non, mais pas encore. J'ai pas envie. Parce que je suis bien avec ces chansons. D'accord. J'ai envie d'être avec, tu vois, de venir faire ce qu'on fait là. Ben oui, mais vous pouvez venir toutes les semaines si vous voulez. Voilà, mais non, je reste avec ça. D'accord, très bien. On est d'accord. Je suis d'accord aussi. Vous aussi, hein, oui, si oui, vous... oui, oui, bon. Parce que toutes les semaines, quand même, Fred Poulet toutes les semaines. Non, c'est pas vrai, je déconne. En tout cas, il y en a un que je suis très heureuse aussi de revoir sur ce pont. C'est pas la première fois qu'il vient, c'est la deuxième. Il est venu avec son deuxième album. Il vient pour le troisième parce que c'est comme ça. Hein. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, on y croit fort. Voilà, c'est Féloche que j'accueille à nouveau sur ce pont des artistes avec grand plaisir. Féloche, Le Miroir et Crocodile. Quand j'étais tout petit, je voyais tout en grand. Et maintenant que je suis grand, maintenant que je suis grand, je me vois tout petit, vu d'ici, d'ici. Oh, oh, c'est un peu à l'envers, mais c'est nous dans le miroir. Oh, un peu à l'envers, nous dans le miroir. Et puis je me suis attaché, et une partie de moi s'est envolée. Oh, oh, c'est un peu à l'envers, mais c'est nous dans le miroir. Merci le Triton, merci le pont des artistes. C'est un plaisir Isabelle de revenir ici. À chaque fois, regarde les copains qui sont là. Oh. On revient de loin, on revient changer, on revient de tout, on revient usé. On revient de loin. Changer, mais on ne revient pas des crocodiles. Loin du souffle, du froid des machines, mes pieds malins se sont perdus dans cette forêt que j'imagine. D'étranges individus. On revient de loin, on revient changer, on revient de tout, on revient usé. On revient de loin, on revient changer, mais on ne revient pas des crocodiles. Je porte le fardeau des vieilles pas une ne se transforme en fée. Depuis c'est pas demain la veille qu'on me reprendra à rêver. C'est dans un étrange liquide que toute cette histoire a commencé. Fallait que je fasse le vide au moment d'expulser. On revient de loin, on revient changer, on revient de tout. On revient de loin, on revient changer, mais on ne revient pas des crocodiles. On revient de loin, on revient de loin, on revient changer, on revient changer, on revient de tout, on revient l'user. On revient de loin, on revient changer. Féloche, mandoline et chant. Sabrina Boudaoud à la basse et au cœur. Il y a du Clos-Vilain au percu, cœur et danse. Le groupe de Féloche pour jouer les chansons du troisième album de Féloche qui s'appelle Chimie Vivante. Bravo, j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aimais déjà beaucoup l'album, mais là, comme ça, j'adore. Ah, ça fait plaisir, Isabelle. Ah, c'est bien, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est du plaisir. C'est du rock aussi, hein. Ouais. Ça déménage, hein. C'est un peu une arme de destruction massive, quand même, hein. Ouais, ouais, mais c'est comme ça que c'est marrant. Bah oui, c'est comme ça que c'est marrant. Pour moi, en ce moment, c'est ça que j'aime bien faire. Ouais, mais je crois que j'ai toujours aimé ça, en fait. Oui, j'ai l'impression. Même avant, même sur Darwin et tout ça, il y avait déjà un petit peu tout ça. Bon, pour détruire quoi? Tous les codes, finalement, tout ce qu'on nous impose, les codes de la musique déjà, pour commencer, les barrières de genre. Il n'y en a pas beaucoup sur votre album, hein, des barrières. C'est vrai. Ah si, les miennes. Oui, mais enfin, comme vous n'en avez pas beaucoup dans votre tête, voilà, c'est ça. Ça part dans plein de musiques différentes et plein de... Voilà, il n'y a pas de frontières, quoi. Non, moi je trouvais que c'était, ça doit être un plaisir aussi. Enfin, il faut que ce soit un plaisir pour l'auditeur, hein, c'est sûr. Mais ça doit être un jeu de faire les choses. Sinon, on s'ennuie. Ouais. Si on refait toujours la même chose, par exemple, pour moi. Oui. Ouais, c'est pour ça. Je voulais te dire ça. Ouais. Parce que tu me disais un truc, mais je répondis déjà d'avance. Oui, c'est ça. Tu prends de l'avance sur mes questions. Ouais. Je vais arrêter d'en poser. Non. Vous êtes quelqu'un quand même. Je commence à vous connaître un petit peu. Vous êtes quelqu'un d'assez pudique en même temps, un peu timide. C'est vrai. Donc la musique. Ça se voit. Merde. Putain. Donc, à chaque fois, on me dit, ça sert vraiment à. Ça se voyait pas que t'avais le trac. Non, je te parle pas de trac. Ah ouais, la timidité. Je parle d'une pudeur que vous avez. Que vous êtes un garçon plutôt timide comme ça. C'est vrai. Voilà. Excusez-moi, mais non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et vous êtes un chercheur de son aussi. Si je vous dis par exemple. Écoutez-moi bien, si je vous dis monsieur, madame, mademoiselle, ça vous rappelle quelqu'un? Bien sûr. Ça vous rappelle votre papa, Hugues Le Bars, puisque vous vous appelez Le Bars, Félix Le Bars, c'est votre vrai nom. Ouais. C'était un génie, votre père. Ah, oui. Un génie. Zinzin, tout ça. Ouais. Moi, j'ai bien connu. Toi, tu as connu parce que c'était l'époque en plus où beaucoup, sa musique passait en indicatif, beaucoup en habillage. Alors, moi, j'ai bien connu pour une bonne raison, c'est que c'est FIP qui a énormément diffusé les disques de votre père. Et que moi, j'étais chef d'antenne à FIP pendant 15 ans. Ah oui, c'est ça. Donc, bah, voilà. Hugues Le Bars, waouh, c'était dans ma tête. Monsieur, madame, mademoiselle, la voix d'Ionesco, bien évidemment. Et puis Zinzin, qui a été effectivement le générique d'une émission de Philippe Bertrand sur France Inter, Zinzin. Enfin, c'était génial. Il était génial. Et j'ai l'impression que vous marchez sur ses traces, parce que vous êtes un chercheur de son aussi. Bah. Dans cet album, sur scène, là, aussi évidemment avec vos complices, hein. J'ai l'impression que vous aimez bien ça aussi, hein. Bah, mélanger parce qu'il y a des sons d'enfants, il y a des voix d'enfants, il y a plein de trucs. Hein, sur ce disque, plus que encore, enfin, on va dire que sur les autres, il fallait que je crée un peu mon super héros. Oui, c'était Féloche. Et c'est vrai que moi, j'ai perdu mon papa il y a 4 ans, je crois. Et donc, ce disque a mis un peu plus de temps à venir parce il a fallu que je puisse le faire en étant bien. En étant un peu aussi je sais pas, en étant libre de pouvoir lui donner des petits clins d'œil, mais je pense qu'il n'y a que lui qui pourrait les entendre. Mais il y a des petits trucs secrets pour lui dire hey, ouais, là, cadeau. Là, on n'a pas les codes. Non, c'est vrai. Tu sais, c'est sur des petits trucs. Un jour, peut-être... Non, mais tu vois, c'est sur un accord d'une quinte augmentée à un moment donné. C'est des petits trucs. Ouais, c'est des petits détails qui, je sais que ça, des petits messages. Ça lui parle. Des petits messages, voilà. Et c'est que des trucs... Bon. Voilà. En tout cas, vous aussi, vous faites résonner les phrases de vos chansons que vous écrivez. Vous les faites résonner aussi avec les instruments, avec la musique, quoi. Et ouais. ça, vous avez vraiment ça en commun. Après, on va dire, bah, c'est normal, tous les chanteurs font résonner leurs phrases avec leur musique. Mais... Ouais, avec une réverbe. Oui, non, mais il y a plein de petites choses. Il y a plein de petites choses dans cet album qui s'appelle La Chimie Vivante et qui porte bien son nom. Ouais. Ça porte bien son nom parce que la chimie, c'est ça. C'est comme la cuisine, on y met des ingrédients différents pour faire un bon plat. Et vous êtes bon cuisinier. Merci. Bah, attends, moins des choses. Ouais. Donc voilà, et on va y retourner parce que j'ai envie d'entendre encore deux autres chansons. Alors là, ça va faire référence au dernier album, précédent album qui s'appelait Silbo. Rappelez-nous, c'était le langage des... C'est un langage sifflé d'une île des Canaries qui s'appelle la Gomera. C'est ça, Gomera. Et les gens parlent en sifflant. Ils communiquent en sifflant. Voilà, d'une montagne à une autre. Et donc c'était le titre de votre précédent disque. Ouais. Voilà. Et puis on va écouter ensuite Manjo. Ouais. Allez, c'est parti. Allez. Féloche sur le pan des artistes en direct au Triton. Il existe un endroit où les hommes parlent comme les oiseaux. Sur l'île de la Gomera, on entend El Silbo en écho. Entre deux montagnes, amarré aux nuages, un guanché siffle pour s'inviter à dîner. Au menu, un mojo piquant qui monte aux yeux, et à nouveau un sifflement pour se dire adieu. Agile, les jambes arquées, on ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet. La lucha canaria pour protéger son île, El Silbo pour braver la guardia civile. C'est une île de paradis, les humains sifflent aussi, le plus beau chant du plus bel oiseau, c'est le Silbo Gomero. C'est le Silbo Gomero. La wawa escalade les jardins en escalier, sur le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent, les deux trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Gomero! c'est une île de paradis où les humains sifflent aussi. Le plus beau chant du plus bel oiseau, c'est le Silbo Gomero. C'est une île de paradis où les humains sifflent aussi. Le plus beau chant du plus bel oiseau, c'est le Silbo Gomero. Merci, wow. Attends, je m'accorde, attends. Bah, tu vois, c'est ça qui est génial, c'est qu'une mandoline, c'est toujours un peu faux. C'est pas comme un grand banjo comme celui-là. Ouais, je vois qu'il y a des musiciens. Fais voir. Ré. Donne-moi un ré. Triton. Ouais. Ah, ça c'est bon, ça. Ré. C'est bon. On va pouvoir jouer une chanson hommage à cette mandoline. You kind of freak, a humble hobo. Who are you to play the banjo? What can I say, sweet 16? Why up your eyes, it's a mandoline. Dusty railroad is where you go, going downtown to get your mojo. You call me babe and I rush in. I am your fool and you are my queens. Play the banjo and tu joues les mandolines. Ouais. It's a banjo. Ah non, ça c'est une mandoline. A bandolo. Non, ça c'est une mandoline. A mandolo. It's a banjo. Non, c'est une mandoline, baby. A bandolo. Non, c'est une mandoline. Non. Well, I don't know. Just mandoline. Trémolo, trémolo. La 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 la. If I was the queen of lot of go-go's, you'll taste the bite of my jaws. Shower and shave is what I need. Indeed, I can't believe you are so mean. But you play the banjo and tu joues la mandoline. Ouais. It's a banjo. Non, c'est une mandoline. A bandolo. Non, c'est une mandoline. A mandolo. It's a banjo. Non, c'est une mandoline, oh. A bandolo. Une mandoline. A mandolo. It's a banjo. C'est une mandoline, oh. A bandolo. Une mandoline. Well, I don't know. Just play something on your fucking mandoline. La 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 hey. La 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 la. Je t'entends pas, Triton. La 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 la. Tu chantes avec nous, vas-y Triton. La Isabelle. La 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 la. La 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 la. Waouh, c'est bon ça! Ouais, la 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 la. ok, j'ai vu, t'es un petit peu reggae. Là, je t'entends pas. La 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 la. Oh, c'est reggae ça. Tout, tout, tout. Ok, continue comme ça, fais voir. Tout le monde avec IA. Féloche avec ses musiciennes Iya du Clos-Vilain et Sabrina Boudaoud et l'aide de notre ami Gérald Toto, voilà. Vu ça. Ah, c'était génial. La musique même pas prévue, t'as vu. Bah, normalement ils prévoient tout le temps à l'américaine, mais nous on prévoit rien. On prévoit rien. Ouais. Il n'y avait pas Fred, c'est dommage. Non, je peux te dire que. Oh putain, s'il l'a fait, c'est bon. Donc je vois la vache dirait ça alors. Voilà, et cet hommage à cette mandoline. J'en connais pas beaucoup des artistes français qui jouent de la mandoline. Hein. Qui ici il doit y en avoir. Je sais pas. Non. Enfin si, il y a Lily Crow et Thierry Chazelle. Oui. Ils jouent de la mandoline. Oui. Oui. Voilà. C'est tout. Voilà. Il y a beaucoup de si, il y a le plus grand mandoliniste français, enfin qui moi m'a donné envie de faire de la mandoline petit, c'était Jean-Claude Asselin. Il sait toujours Jean-Claude Asselin, d'ailleurs. Oui, non, je parlais dans la chanson française. Ah, dans la chanson. Il y a beaucoup d'ukulélé, par exemple, mais il n'y a pas beaucoup de mandoline. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais voilà. Moi, j'ai un orchestre de mandoline. Tu sais ça ? Sans blague. Oui. Vous êtes combien ? 64. Et on se fera pas, on le fera dehors, mais pas là. On était venus, tu te souviens quand même, on est venus avec 4 mandolines. Oui, c'est vrai. On a fait un petit quatuor. Il y a 2 ans, c'est vrai. Il y avait 4 mandolinistes, ouais. C'est vrai, je me souviens. Et puis il y avait aussi une comédienne. Et puis là, vous avez des gens avec vous, des filles avec vous qui sont danseuses aussi, choristes, chanteuses. Vous aimez ça le spectacle, hein ? Mais oui, parce que je sais pas, c'est un truc qui me plaît. Je crois que c'est ça que je voulais faire en fait. Enfin, le mélange de tout ça, quand j'étais petit, c'était ça que je voulais faire, je crois. C'est ça. Vous voulez monter sur scène et faire des spectacles. Ouais. Pas seulement être chanteur. Parce que j'ai mis du temps avant d'être chanteur. C'est long, en fait. Je continue à apprendre. J'en parlais tout à l'heure, Gérald. Je me sens de plus en plus chanteur, de fait. Hein, parce que maintenant, je fais attention à ma voix. Il faut que je me couche. Là, il est 3h du mat'. Il faut que je fasse gaffe. Demain, il y a Dordain. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, non, c'est ça, c'est la vie. Donc hier soir, vous vous êtes couché à 2h30. Voilà, c'est fait gaffe. C'est bien. Chimie vivante. Ah, alors, c'est Sabrina Boudaoud. Je l'ai déjà dit, hein, mais ça fait rien. Et Iya. Ouais. Voilà. Yeah. Merci. Féloche, Chimie vivante, c'est le 3e album de Féloche. Voilà, bravo. Vous êtes sur scène, vous allez partir en concert. En tournée, le 5 mars, vous êtes à Nantes, à la Bouche d'Air. Oui. Le 23 mars, à Saint-Saulve, dans le Nord. Le 28 mars, à La Source, en Isère. Le 29 mars, à Annonay. Le 30, à Gien. Et le 11 avril, à Porte-les-Valences. Et puis ça continue en mai. Voilà, je n'avais pas de place pour tout noter, mais il y a une belle petite tournée, là, qui... Ouais, c'est chouette. C'est bien, ça, hein, ce que vous vouliez faire, quand même. C'est ça. Voilà. Gérald Toto, vous allez faire un petit peu de scène aussi, vous. Vous allez être à Paris, au 3 Baudets, bientôt, au mois d'avril. Le 11 ? Le 11 avril, oui. Avant ça, j'ai lu, on m'a dit que la veille, vous étiez à Londres. Oui, exactement. Toujours pour les 15 ans de nos formats, avec Moussougari et puis Kevola, qui sont un groupe franco-cubain extraordinaire. Oui, j'ai écouté. Effectivement, c'est vraiment vachement bien aussi. Voilà. Et puis ensuite, Kinshasa, donc, pour toujours les 15 ans de nos formats. pour faire des concerts là-bas, j'imagine qu'il y aura un peu tout le monde de nos formats. Ouais, ouais. On va en profiter aussi. Il y aura Mélissa Laveaux qui sera là-bas aussi. C'est pour moi. Et voilà. Toto Bona Lokua, impossible de faire tourner. Bona, il fait autre chose. Ouais, mais Richard est très occupé ailleurs. La précédente tournée, on l'a fait 3 ans ou 4 ans après la sortie de l'album. C'est ça. Donc tout n'est pas perdu. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc en attendant, quand même, vous allez défendre cet album sur scène. Avec grand plaisir. Avec la guitare. Ouais. Et pas d'autres musiciens, pas d'autres instruments de musique. Enfin, si d'autres instruments de musique. En fait, le truc c'est que. Pour moi, le disque, c'était... Voilà, je me suis mis dans un environnement et puis après, les gens écoutent au casque ou avec leur chaîne. Bref, ils se mettent en immersion. Quelquefois même, ils regardent en écoutant, puisqu'il y a l'image. Et je me suis dit, sur scène, j'ai envie de privilégier le rapport direct avec les gens, donc d'être dans la forme la plus simple, guitare, et que, voilà, que le vecteur soit plus du domaine de l'énergie. Et puis, petit à petit, il y a d'autres choses qui se construisent. J'ai fait la connaissance d'un nouvel instrument qui s'appelle le hang drum, qui est un genre de... entre le balafon et le steel drum, en fait, avec les mains, et qui est très hypnotique comme ça. Et comme j'adore improviser, donc voilà, j'improvise beaucoup sur scène. Et bientôt, je vais y mettre aussi... J'ai mis du oudou aussi, qui est un genre... Le cruche, qui fait vraiment le... C'est avec ça que j'ai fait vraiment la plupart des sons de batterie, en fait. Boum, boum, ce son-là, et puis avec la voix aussi, et je vais y adjoindre aussi la basse, puisque quand même, voilà. Mais toujours en improvisation, ouais. D'accord, homme orchestre quand même un peu. Ouais, on a un touche à tout, quoi. Trois titres, on va écouter Umbaka, You Got Me et Freedom. Avec plaisir. Allez, c'est celui-là, c'est Sway. C'est beau. Yes. Ça ondule. Ça ondule, ça swing, ça balance, ça groove. C'est Gérald Toto, sur le pont des artistes. Merci. You got to my heart, you got to my sorrows, you got to my loneliness, you got to my soul, you got my eyes, you had me at hello, you got my happiness, you got my soul. You got my head, you got my anger, you got my loneliness, you got my soul, you got my arms, you got my struggles, you got my happiness, you got my soul, soul, you got me, you got me, you got me, you got me, yeah. You got my sun, you got my loneliness, you got my winter, you got my soul, you got my hope, you got my tenderness, you got my lover, you got my soul. Merci. Alors là, je vais chanter une chanson. Oui, Freedom. Ah, Freedom. Quand même, hein. Quand même, au bout du bout, quand même, c'est bien. La Freedom Lee. Ah, c'est quelque chose. Freedom, Gérald et Toto. Merci. Merci beaucoup. Venez les garçons, venez avec moi. On va se dire au revoir sur la scène du Triton. Merci beaucoup d'être venus. On se retrouve le 21 mars, d'accord? Pour fêter le printemps. Ce soir, il y avait 3 garçons. Le 21 mars, il y aura 3 filles. Claire Diterzi, la chanteuse Pomme et Clarika. Voilà, on vous attend, bien sûr, le 21 mars. N'oubliez pas. Salut!